أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم تعليما لنا وتشريفا لصفيه ونبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on est 16 Shawwal. Shawwal, c'est-à-dire mois spécial après mois béni Ramadan. Beaucoup d'événements aussi qui étaient passés dans le mois Shawwal. Juste, je vous donne un rappel vite fait. Après, Inch'Allah, on rentre sur notre thème. N'oubliez pas aussi, et tous les samedi soir, on parle toujours à propos du jour de jugement. Premier Shawwal, vous tous, vous connaissez, c'est le jour d'Aïd. Parce que Ramadan, c'est fini. Et le premier jour de Shawwal, c'est Eid al-Fitr. C'est-à-dire les jours spéciaux qu'on doit retourner envers bon Dieu. On doit remercier bon Dieu. À propos du jeûne qu'on a fait, Dieu, Inch'Allah, accepte. Ça, c'est le premier mois de Shawwal. Troisième Shawwal, 5 Hijir. Ça, c'est bataille de Khandaq. Commémoration des jours spéciaux aussi. Bataille de Khandaq, vous tous, vous connaissez. C'est le vertu d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi afdhal salatu wassalam aussi, dans ces jours. Jour spécial pour nous tous. C'est pas le moment qu'on parle de ça. Inch'Allah, ça va venir un jour. On doit parler à propos de tout ça. Inch'Allah. Ça, c'est 3 Shawwal, 5 Hijir. Et le 4 Shawwal, 329 Hijir, c'est le début de Ghaibat al-Kubra. Ghaibat al-Kubra, ça c'est mot spécial. Ça, c'est-à-dire mot technique. Vous tous, vous connaissez aussi, surtout si vous suivez Ahlul Bayt alayhim afdhalus salatu wassalam. Notre 12e imam du temps, il était invisible 2 fois. Première fois pendant 69-70 ans. Et la deuxième fois jusqu'à maintenant. C'est le 4 Shawwal, année 329 Hijir. Ça, c'est le commencement de Ghaibat al-Kubra jusqu'à aujourd'hui. Notre 12e imam, on ne voit pas. Il est là devant nous, avec nous-mêmes. Il donne salam tout le temps. Il marche aussi. Il vient au marché. Il fait le pèlerinage tous les ans. Après, c'est le chef de pèlerinage, notre 12e imam.
Il vient aussi dans notre majlis. Tout le temps, quand on fait majlis, on pense à Ahlul Bayt, alayhi wa sallatu wa sallam. Soit le majlis de naissance de Ahlul Bayt, soit majlis de décès de Ahlul Bayt. Notre deuxième imam, il est là toujours avec nous. Mais nous, on ne voit pas avec nos yeux, mais imam, il est présent toujours. Ça, c'était quand? C'était commencement, début de Ghaibatil Kubra, que notre imam, il est invisible pour tout le monde, même les quatre ambassadeurs aussi, ils n'ont pas vu imam. Ça, c'est commencement, c'était 4 Shawwal, année 329 Hijir. Ça aussi, événement qui est passé dans ces mois, béni aussi, moi, Shawwal. 6 Shawwal, 8 Hijir, ça c'est commémoration aussi. On pense toujours bataille de Hunayn. Si vous vous souvenez, je vous le disais avant, beaucoup de batailles à l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas Rasulullah qui a commencé. Rasulullah, c'est lui qui a défendu, c'est-à-dire obligatoire pour le musulman de défendre. Mais commencement, on commence pas le bataille. Ça, c'est interdit pour nous tous. Parce que l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est sécurité. L'islam, c'est savoir vivre. Moi, je ne vais pas répéter tout le temps ça, mais juste un rappel, je vous dis. Bataille de Hunayn aussi, c'est le 6 Shawwal 8 Hijir. Inch'Allah, petit à petit, vous voyez l'histoire comme ça. Il faut que vous vous écrivez aussi, ça reste pour vous, pour que l'islam, ce n'est pas seulement salat. Ce n'est pas seulement je pars à la mosquée, je prie, c'est fini. Je rentre à la maison demain, Inch'Allah. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, il faut qu'on connaisse qu'est-ce qui est passé avant, c'est-à-dire événements passés avant, surtout pour le mu'minin avant, pour le prophète, pour le Ahlul Bayt avant. Notre islam aujourd'hui sur la table, qu'est-ce qu'on a fait pour l'islam? On a vu tout le monde, ils sont devenus musulmans. Nous aussi, on a pris, on a écouté quelqu'un qui nous a dit que l'islam, c'est la vérité. On est devenus musulmans aussi. C'est-à-dire, on a accepté religion de musulmans, l'islam. Il y a du hadith, moi je vous le disais avant aussi, il y a du hadith qui dit tout le monde, kullun yuladu ala al-fitra, tout le monde, naturel c'est quoi, on est tous musulmans. Walakin abawahu yuhawidanahu, aw yunassiranahu, c'est ça le hadith. C'est-à-dire, c'est le papa et maman qui changent l'objectif de leur enfant. Mais la vérité, on est tous musulmans. Mais on est tous musulmans, on ne connaît rien. On doit apprendre. On doit écouter. C'est lui qui connaît l'islam vrai. On écoute. Après, on est tous aujourd'hui, on est musulmans. On croit en Dieu. Mais notre islam, vous savez, sur la table, pourquoi je vous dis sur la table? Avant, c'était pas comme ça, c'était difficile. Parce que l'ennemi de l'islam, ils n'ont pas laissé prophète ou Ahlul Bayt, alayhi salatu wa salam, en vie comme ça. C'est-à-dire, eux, ils ont essayé, ils ont fait leur effort, Ahlul Bayt et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de propager l'islam, de parler à propos de l'islam, d'avouer l'islam pour tout le monde. Aujourd'hui, on a écouté, on a entendu, c'est bon, on est tous musulmans aujourd'hui, mais sur la table. On doit remercier, bon Dieu, qu'on est tous musulmans aujourd'hui, mais leur histoire, il faut pas oublier. Il faut connaître l'histoire, la vraie histoire, c'est comment. Rasulullah, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est passé à l'époque de Rasulullah, à l'époque de Ahlul Bayt? Pourquoi on est devenu comme ça même aujourd'hui? Vous savez, l'islam, c'est un seul nom. On est tous musulmans. Mais pourquoi, par exemple, aujourd'hui, c'est le beaucoup de madhab? Ça, c'est tel madhab. Ça, c'est tel madhab. Ça, c'est tel madhab. Et le vrai madhab, c'est quoi? Ça, on doit suivre. On doit écouter. On doit regarder. Rasulullah, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout ça, c'est l'histoire pour nous. L'histoire, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier, on ne peut pas laisser passer l'histoire vraie. L'islam, c'est ça, ô vous les croyants. L'islam, pas seulement à la mosquée, retour à la maison. L'islam, pas seulement de prosterner pour bon Dieu,
C'est fini. Non, ça c'est parmi les actes des musulmans. Oui, c'est vrai. On doit prosterner pour Dieu. On doit adorer notre Seigneur. C'est la vérité. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est iman. Mais attention, il y a du amal salih. Alladhina amanu wa amilu salihat. Certes, iman, ce n'est pas suffisant du tout. C'est-à-dire, moi, je suis, aujourd'hui, je suis devenu croyant, musulman croyant. Mais qu'est-ce que je fais pour les autres? Parce que croyance pour moi. J'ai cru, bon Dieu. J'ai cru, prophète. J'ai cru aussi, Ahlul Bayt alayhi salatu wa salam. Ça, c'est pour moi. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? Bon Dieu, il a besoin de ça. Vous pouvez pas rester seul ici, vivre seul ici sur la terre. Impossible. Il faut avec les autres. Savoir vivre pour nous tous. Ça, c'est musulman. Le 6 Shawwal, 8 Hijir, ça aussi, c'est le bataille de Hunayn. Bon, ça, c'est tout ça, c'est passé avant. Mais quelquefois, événements comme ça, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à bataille de Hunayn. Tout ça, surtout le bataille de Hunayn, c'est mentionné aussi dans le Coran et le Karim. Le mot ça, c'est mentionné dans le Coran et le Karim. Qu'est-ce qu'il y a dans ces batailles-là? Tout ça, il faut savoir. Inch'Allah, on va essayer petit à petit, non? Vous êtes avec nous aussi. Vous allez savoir, Inch'Allah, la prochaine, c'est quoi le bataille de Hunayn aussi. Et le 7 Shawwal, 7 Shawwal, c'est-à-dire jeudi passé chez nous. Jeudi passé, parce que le 8 Shawwal, c'était vendredi. Le 7 Shawwal, jeudi passé, on n'a pas parlé. Mais moi, un jour, si vous vous souvenez aussi, j'ai déjà parlé un peu avec vous. Ça, c'était 7 Shawwal, 3 Hijir. Ça, c'était bataille de Uhud. Le deuxième bataille officielle dans l'islam, deuxième bataille officielle dans l'islam, que le prophète, il était là aussi. Vous savez, il y a deux batailles, je vous le disais, beaucoup de batailles en islam. Mais quelquefois, le prophète, il est là, quelquefois, c'est lui qui donne ordre, mais il n'est pas présent, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est lui qui contrôle. C'est lui qui contrôle les batailles, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, à cette époque-là, ils peuvent rien faire sans ordre du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux batailles directes, le prophète, il est là. Bataille de Uhud, prophète, il était là aussi. Bataille de Uhud, c'était 7 Shawwal, 3 Hijir. Et en même temps aussi, c'est le décès de Hamza. Hamza, c'est Sayyid al-Shuhada. Sayyid al-Shuhada est le première personne qui était nommée à cet nom, le nom Sayyid al-Shuhada. Et Hamza est l'ensemble aussi, le deuxième personne, c'est qui? C'est Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wa salam. Le nom Sayyid al-Shuhada pour deux personnes là. Vous savez, ça, c'est pas nom comme ça même. Ça, c'est le nom comme ça. Rasulullah, quand il nomme quelqu'un au nom comme ça, c'est pas le nom, ça vient du prophète. Ça vient de Allah, tabarak wa ta'ala. C'est bon Dieu qui nomme quelqu'un comme ça au nom de ça. Comme Amirul Mu'minin. Le nom de Amirul Mu'minin, c'est pas nom. Ça vient du prophète. Ça vient de Dieu, tout ça. Nous, on peut pas nommer tout ce qu'on veut, n'importe qui, par exemple, ça c'est interdit pour nous tous, c'est Rasulullah qui commande. C'est prophète avant tout le monde, ô vous les croyants. Shahada, c'est-à-dire décès de Hamza, vous tous, c'était martyr Hamza, parce que ils ont tué Hamza dans une bataille qui s'appelle bataille de Uhud. Ça, c'est prophète, il a pleuré beaucoup. Si vous vous souvenez aussi, un jour, j'ai déjà parlé avec vous, prophète, il a pleuré sur trois choses. Un, c'est décès de Khadija al-Kubra, avec qui? Avec Abu Talib, papa de Imam Ali, alayhi salatu wassalam, avec la femme du prophète. Ça, ce qu'on appelle Amul Huzn, l'année de la tristesse. Rasulullah, il a pleuré beaucoup. Et le deuxième aussi, c'est le décès de Hamza. Rasulullah, il a pleuré beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement Hamza, tonton du prophète, oncle du prophète, c'est pas ça seulement, mais c'est le chef d'armée. Hamza sous contrôle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui était chef de l'armée de musulmans, des mu'minines, des croyants à cette époque. C'était bataille de Uhud. Ça aussi, commémoration de ce jour-là, c'était 7 Shawwal 3 Hijr. Tout ça, inshallah, vous vous écrivez après, comme ça reste dans votre mémoire. Et le 8 Shawwal, on a parlé beaucoup, 1 heure de temps et quelques. 8 Shawwal, c'est 1344. Ça, c'est deuxième
Démolition de quoi? De Baqiyin. Baqiyin. C'est-à-dire, c'est le Wahhabite à cette époque-là. Moi, j'ai déjà mentionné même leur nom. Eux, ils ont voulu détruire le Baqiyin. Ça, c'est le tombe spéciale pour Ahlul Bayt. Après, beaucoup de croyants aussi, mu'minines, qui sont enterrés là-bas. J'ai prononcé, j'ai nommé même quelques compagnons du prophète, Muhajirin, Ansar, tout ça, j'ai déjà expliqué devant vous aussi, c'est quoi les Muhajirin, c'est quoi le Ansar. Et toutes les femmes du prophète, sauf deux femmes, juste Khadijatul Kubra et Maïmouna, les deux femmes-là, ils ne sont pas enterrées là-bas. Et les autres, c'est là-bas. Et tous les enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pourcentage, je vous le disais, Fatimatu Zahra salamullahi alayha, c'est pas 100%, nous on connaît pas, mais toujours on prend, et possible Fatimatu Zahra aussi, c'est enterré dans le Baqi, c'est le 8 Shawwal 1344. Ça le 1344 Hijir, c'est le deuxième commémoration de la destruction de quoi? De Jannatul Baqiyah. Ça, c'est tombe spéciale. Pour Ahlul Bayt, on dit aujourd'hui Jannatul Baqiyah. Pourquoi paradis? Parce que Ahlul Bayt, ils sont enterrés là-bas. Quatre imams avec leur maman, Fatimatu Zahra, salamullahi alayha. Ça aussi, c'était passé. 10 Shawwal. Ça aussi, il y a deux batailles qui s'appellent bataille Bani Sulaym. Ça aussi, bataille que prophète, il n'était pas là. Mais prophète, c'est lui qui a ordonné, il a donné ordre. Ça aussi, il y a des noms spéciaux, je ne vais pas prononcer. Parce que bataille des prophètes, par exemple, si prophète, il était là, ça on dit, Ma'araka Sarazwa. Mais le bataille que prophète, il n'était pas là, mais c'est lui qui a ordonné, il y a d'autres noms, ça. Tout ça, c'est le signe dans l'islam. Ça aussi, 10 Shawwal, 2 Hijir. 2 Hijir. Et le 15 Shawwal, comme hier. La journée de hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 16 Shawwal chez nous. Et d'autres pays possibles, c'est déjà 17 Shawwal aujourd'hui. Mais chez nous, ici, c'est le 16 Shawwal aujourd'hui. Mais cette histoire-là, c'était hier, 15 Shawwal. Ça, c'était Radd al-Shams, l'imam Ali alayhi salatu wassalam, que le soleil qui était retourné pour l'imam Ali alayhi salatu wassalam. C'est quoi cette histoire-là? Moi, je ne vais pas parler aujourd'hui, Inch'Allah, ce miracle. Miracle des dieux. Mais à propos de qui? À propos de Imam Ali, alayhi salatu wassalam. Ne pensez pas que Amirul Mu'minin, juste gendre du prophète, et Imam Khalifa, après Rasulullah, c'est fini. Beaucoup de miracles, je vous dis. Pourquoi bon Dieu, il a choisi Amirul Mu'minin? Tout ça, si vous avez écouté. Vous connaissez le miracle des dieux sur Imam Ali, alayhi salatu wassalam. C'est là que vous connaissez la vérité, c'est quoi? Tout ça, il faut savoir, oh, vous les croyants. Vous-même, vous devez chercher tout ça. Il faut pas attendre quelqu'un qui vous raconte tout ça. Vous cherchez, vous regardez le livre dans l'islam. Ne restez pas comme ça à la maison seulement. Vous savez, il faut chercher l'islam, c'est quoi? Ne restez pas juste à la mosquée, c'est fini, tasbih, doua, salat. Après, vous rentrez à la maison. Non, cherchez le vrai l'islam, c'est quoi? Vous connaissez pas. Regardez le ulama, les ulama, c'est beaucoup. Savants dans l'islam, c'est beaucoup. Écoutez le savant, qu'est-ce qu'ils disent? Vous comparez aussi avec notre Coran et le Karim et le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça, on doit savoir, on doit connaître l'islam vrai, c'est quoi? Vous êtes tous responsables le jour du jugement. Mais pourquoi vous faites vous prosterner comme ça? Pourquoi vous faites prière comme ça? Tout ça, c'est question là-bas. Moi, je vous le disais, la première question, c'est salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète a dit, Sallu, kama ro'aytumuni usalli. Ça, c'est hadith, c'est connu. Entre sunnites et chiites, tous les musulmans, on est d'accord avec ces hadiths-là. Rasulullah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que priez-vous comme moi, j'ai pris. C'est-à-dire, on doit regarder le façon. Rasulullah, comment il prie pour Allah, tabarak wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il prononce? Qu'est-ce qu'il récite? C'est comment il fait ruku? C'est comment il fait sujoud? La main du prophète, c'est comment? Tout ça, il faut savoir. Mais, sallu kama ra'aytumuni usalli, Rasulullah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, priez-vous comme moi.
Qui doit parler avec nous à propos d'eux? Salat du prophète, la prière du prophète. Est-ce que n'importe qui? On ne peut pas écouter n'importe qui. On doit écouter Ahlul Bayt, les gens de la maison, descendants des prophètes, parce que ces gens-là, ils connaissent que Rasulullah, il prie comment? C'est là qu'on doit savoir la vérité, c'est comment? Si c'est avec n'importe qui, beaucoup de paroles aujourd'hui. C'est ça les problèmes des musulmans aujourd'hui, oh vous les croyants. On écoute n'importe qui, après c'est devenu comme jouer l'islam. C'est devenu comme jouer l'islam. Ça, c'est pas bon du tout. Moi, je prie pour vous tous, Inch'Allah. Je prie aussi pour moi, personnellement. Pourquoi? Je dois rester avec la vérité. Vous savez, nous, tout le temps, on dit « Ihdina s-sirat al-mustaqim ». Ihdina s-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire quoi? Garde-nous dans le chemin droit, ô bon Dieu. Garde-nous dans le chemin droit. C'est-à-dire, chemin droit, c'est quoi? Oui, chemin droit, c'est l'islam. Chemin droit, c'est Coran. Chemin droit, c'est Ahlul Bayt, alayhi mafdhul salatu wassalam. Tout ça, c'est quoi? C'est chemin droit. Moi, je dois rester là, je dois mourir ici, même dans le chemin droit. Tout ça, c'est très important pour nous tous. Je fais doigt aussi pour vous tous, que vous allez rester sur le chemin droit. Parce qu'on est tous, on a besoin de ça. Pour connaître la vérité, c'est très important pour nous tous. On doit connaître la vérité, ô vous les croyants, parce qu'on est tous responsables jour de jugement. Ça, c'est le 15 Shawwal, aussi Radd al-Shams, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi afdhalus salatu wassalam, que bon Dieu, il a retourné le quoi? Bon Dieu, il a fait retourner le soleil grâce à Amirul Mu'minin. C'est quoi l'histoire? Moi, je ne vais pas parler aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la prochaine. Et aussi, le 15 Shawwal, comme hier, l'année 252 Hijir, c'est-à-dire 3 ans avant la naissance de notre 12e imam, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Parce que imam, 12e imam, c'est 255 Hijir, la naissance du 12e imam. 255 Hijir. Mais cet événement-là, c'était quand? C'était 15 Shawwal, 252 Hijir. C'est le décès de Abdul Azim Al-Hassani, Shah Abdul Azim. C'est connu comme ça même le nom, vous tous vous connaissez. Ça c'est ville de Ray, c'est à Téhéran ça, en Iran. Ça c'est Abdul Azim Al-Hassani. Beaucoup de ulama ils disent qu'Abdul Azim Al-Hassani, il a vécu avec 3 imams, 4 imams, ils ont dit jusqu'à 5 imams même, c'est-à-dire imam Moussa ibn Ja'far, et imam Ali ibn Moussa Rida, imam Rida, c'est-à-dire 7e imam, 8e imam, et imam Jawad, 9e imam, et imam Hadi, 10e imam, et jusqu'à imam Hassan al-Askari, alayhim afdhalus salatu wassalam, parce que 252 Hijir, 252 Hijir, décès de Abdul Azim al-Hassani, 3 ans avant la naissance de notre 12e imam, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Et aussi, le 25 qui va venir, 25 Shawwal, c'est le décès de Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, je dois être avec vous aussi. On doit parler à propos du 6e imam, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est 148 qui gire aussi. Et à la fin, c'est le 29. 29 Shawwal aussi. 10 Hijir, c'est décès de Ibrahim. Ibrahim, c'est pas prophète Ibrahim. Ibrahim, c'est-à-dire, c'est le fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Ibrahim. C'est pas même maman avec Fatoumatou Zahra, salamullahi alayha. Ils sont même père, mais c'est pas même mère. Parce que Ibrahim, sa maman, c'est Maria al-Qibtiyya. Ça, c'est histoire aussi, c'était arrivé pour nous tous. Et le Ibrahim aussi, je vous le disais, c'est enterré dans le Baqir. Jannatul Baqi, là-bas, il est enterré là-bas aussi. Ça, c'est événement de mois béni, Shawwal. Ça, c'est juste une petite introduction. Mais, Inch'Allah, on doit rentrer maintenant à propos du jour de jugement. Jour de jugement, ô vous les croyants. Ça, c'est jour, ça va venir pour nous tous. Et c'est pas loin. Moi, quand je vous dis c'est pas loin, c'est-à-dire bon Dieu, même quand il parle dans le Coran et le Karim, il dit nous, humains. Les humains, on voit que jour de jugement, c'est loin. Mais bon Dieu a dit non, non, pour nous, c'est tout est proche. Tout proche jour de jugement. C'est quand jour de jugement? Ça, on ne connaît pas.
Bon, ça c'est secret pour Allah, tabarak wa ta'ala, secret de Dieu. Même les prophètes, même Ahlul Bayt, alayhim afdhalus salatu wassalam, tout le monde, on connaît rien. Même les anges aussi, ils ne savent pas que jour de jugement c'est quand. Ça c'est secret pour Allah, tabarak wa ta'ala. Et la mort? La mort aussi, nous on connaît rien, nous on va mourir quand? Est-ce qu'on va mourir maintenant ou on va mourir ensemble avec tout le monde à la fin du monde ou pas? À la fin du monde, moi je répète toujours, c'est pas à la fin du monde qu'on pense aujourd'hui 2038, 2034, 2030. Non, non, c'est pas ça. À la fin du monde, quand notre 12e imam, il vient, après quelques temps après, Allah tabarak wa ta'ala, il envoie Israfil. Israfil, il va siffler avec trompette. Après, on va mourir tous si on arrive jusqu'à là. Si on arrive jusqu'à là. Mais on ne sait pas, possible, on va mourir avant ça. Nous tous, nous, on ne connaît pas. Ça, c'est la mort aussi à la main d'Allah, tabarak wa ta'ala. Même les docteurs spécialistes, ils ne savent pas. À propos de la mort, non. Oui, possible, docteur, estimation. Il va dire, bon, cette personne-là, par exemple, il va mourir demain ou après-demain. Bon, il regarde ça. Mais pour donner la vie, pourquoi il ne donne pas la vie avec ces messieurs ou cette dame qui va mourir là? Il ne peut pas. Parce que la vie et la mort à la main d'Allah, tabarak wa ta'ala, huwa yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut. Bon Dieu, c'est lui qui donne la vie. C'est lui aussi qui donne la mort pour tout le monde. Wa huwa hayyul la yamut. Bon Dieu, il est vivant toujours. Il ne va pas mourir, il va rester. Bon Dieu éternel, c'est pas comme nous. Nous, aujourd'hui, on vit, demain, on va mourir tous. Ça aussi, à la main d'Allah, tabarak wa ta'ala. Jour de jugement, ça c'est jour, on connaît pas. Nous, on dit jour, mais les jours, c'est pas comme jour aujourd'hui. Mais les jours, parce que toute chose, ça va être clair là-bas, comme la journée. C'est comme ça, on dit jour de jugement. C'est pas comme Laylatul Qadr. Moi, j'ai déjà expliqué à propos de ça. On est arrivé sur le Sirat al-Mustaqim. Dans les jours de jugement, c'est la première chose qui va se passer là-bas. Vous savez c'est quoi? Ça aussi, je répète. La chose qui va se passer, la première chose, c'est quoi? Ils vont montrer nos actes. Tout ce qu'on a fait ici, on va voir là-bas. Bon, Inch'Allah, je dois parler ça à la prochaine. Je dois parler avec vous. Que les jours de jugement ici sur la terre ou dans les cieux. Si c'est sur la terre, c'est où? C'est où? Ça va passer où, par exemple, le jour de jugement? Tout ça, on doit savoir, c'est comment. Inch'Allah, je dois vous raconter tout ça la prochaine. La première chose qui va se passer dans le jour de jugement, ils vont montrer nos actes. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est mal, c'est mal. C'est-à-dire, vous savez, vous tous ici, on est tous, on fait quelque chose, pas plus, pas moins. Vous savez, là-bas, c'est pas vidéo. Là-bas, c'est pas film. Là-bas, c'est pas que tout ce que vous avez fait ici comme miroir devant vous, c'est pas ça. Les actes même, comme dans le hadith, c'est arrivé, comme vous avez fait vos actes le jour même. Acte qui vient, qui va se présenter devant vous, c'est moi. Bon, si c'est acte qui vient devant nous, on ne peut pas refuser. On ne peut pas dire, oh bon Dieu, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est mensonge ça. On ne peut pas dire ça. Parce que si vous vous souvenez aussi, avant, j'ai déjà raconté ça, et parmi les témoins, pour nous tous ici, nos actes, c'est les actes qui viennent. C'est pour cela que le Coran a dit, Wawajadu, ma'amilu hadira. Jour de jugement, ils vont voir, ils vont trouver. Leur acte, tout ce qu'ils ont fait ici, c'est présent jour de jugement. Acte même qui vient, qui va se présenter devant nous. Wawajadu ma'amilu hadira. Ça, c'est première chose là-bas. Après ça, on voit nos actes. Après, vous savez, c'est quoi? C'est le, on va passer, nous tous, on va passer sur le Sirat al-Mustaqim. Ça, c'est pont spécial. Combien de kilomètres, nous, on ne sait pas. Dans notre hadith même, ce n'est pas arrivé ça. Vous savez, jour de jugement, il y a des choses, ce n'est pas connu pour nous. Il y a des choses, quand je parle avec vous aujourd'hui, c'est des choses, par exemple, le Coran ou hadith parle.
Mais nous, on ne connaît pas que le jour de jugement, les ponts-là, le trajet qu'on doit passer sur le pont Sirat al-Mustaqim-là, combien de kilomètres le pont? Nous, on ne connaît pas. Mais sur ces ponts-là, ce qui est arrivé dans notre hadith, parole du prophète et parole de Ahlul Bayt, c'est quoi? Dans ces ponts-là, il y a 50 questions pour tout le monde. Allah, Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, il doit nous juger à propos de nos actes dans le Sirat al-Mustaqim, le pont spécial là, mais il y a 50 questions. Inna la fil qiyamati khamsina mawqifa. Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salatu wassalam, a dit, dans les jours du jugement, quand vous passez sur le pont, on est tous, on doit passer sur le pont spécial là, il y a 50 questions. 50 questions là, c'est-à-dire 50 arrêts. Si le 50, si la première question s'est passée, et vous rentrez dans le deuxième question aussi, troisième, quatrième, jusqu'à 50 questions. On doit répondre tout ça. La première question, c'est cela. Ça, on a déjà parlé. Si c'est Furu'ud-Din, le branche de l'islam, mais si le source de l'islam, à propos de Dieu, à propos de prophète, à propos de Imam Ali, alayhi afdhalus salatu wassalam, et Ahlul Bayt. Ça, c'est question, c'est sûr, c'est première question, ça. Si on passe à propos de première question-là, possible, c'est facile pour nous de répondre les autres questions. Mais si on a bloqué même, on est bloqué dans la première question, et les autres questions aussi, on est en problème. Bon, après, j'ai prononcé, j'ai déjà raconté quelques questions que bon Dieu, il doit demander ça au jour du jugement. Pas mal de questions, j'ai déjà raconté. Après, la dernière fois, semaine prochaine, je vous le disais, parmi les questions au jour du jugement aussi, c'est Hakkunnas. Hakkunnas, c'est-à-dire, c'est les droits de l'homme. Vous voyez, ça, c'est traduction simple, on dit droits de l'homme. C'est pas le droit de l'homme qu'on dit aujourd'hui. La vérité, droit de l'homme aujourd'hui, ça n'existe pas. Nous, on dit ces paroles, ça. Mais la vérité, si vous regardez A à Z, est-ce que nous tous, on respecte le droit de l'homme ou pas? On respecte pas. Votre voisin seulement, voisin, c'est-à-dire celui qui habite à votre côté, votre maison, c'est côte à côte. Est-ce que vous respectez votre voisin ou pas? Ça seulement, c'est difficile pour nous tous. C'est-à-dire, même notre voisin, c'est difficile pour nous de respecter nos voisins et les autres personnes. Ou alors le droit de l'homme? Bon, aujourd'hui, on dit ça n'existe pas. Bon, parole, on dit, on parle toujours, tout le monde, on crie que droit de l'homme, mais la vérité. Où est le droit de l'homme aujourd'hui? Juste un voisin, ça c'est exemple simple. Et vos parents, c'est comment alors? Est-ce que vous respectez vos parents ou pas? Parce que humain comme vous, et votre existence grâce à vos parents. Nous, aujourd'hui, si on est devenu riche, on est devenu savant, par exemple, on a de maisons, beaucoup de maisons, voitures, s'en foutiste avec le parent. Mais on doit connaître que notre existence ici, grâce à nos parents. Même vous êtes riche, comment? Vous devez connaître que vos parents, c'est mieux plus que vous. Vos parents, c'est mieux plus que vous. Pourquoi? Parce que votre existence, grâce à eux. Et le parent aussi, ils doivent connaître aussi votre parent, que leurs parents aussi, c'est mieux plus que eux. Tout le monde sait comme ça. Où est les droits de l'homme? Bon, on dit aujourd'hui Hakkunnas. Ça, c'est le droit de l'homme-là, jour de jugement. Bon Dieu, il va demander ça et il y a arrêt spécial. Ça aussi, c'est arrivé dans notre hadith. Il y a deux arrêts qui s'appellent Al-Mirsad. Inna Rabbaka la bil-Mirsad. Dans le Sourate Al-Fajr, le ayat s'est arrivé. Que là-bas, Allah Ta'ala, il va pas laisser comme ça, on passe vite. Vous savez la différence entre ici et là-bas? Ici, c'est fini avec le pardon. Vous demandez pardon, je vais laisser, c'est fini. Mais là-bas, ça suffit pas ça. Si c'est pas suffisant, pardon. Vous me dites pardon, mais je vais pas te pardonner sauf je gagne quelque chose. C'est comme ça, jour de jugement. C'est-à-dire, vous demandez pardon là-bas, c'est pas suffisant du tout. Oui, vos actes, le bienfait que tu as fait, c'est transmis
dans mon compte d'abord, dans mon compte d'abord. Après ça, je te laisse. Mais sinon, passer, passer, non, non. Laisser passer là-bas, il n'y a pas jour de jugement. C'est pas comme ici. Ici, nous tous, je demande pardon, vous laissez, vous demandez pardon, je vous laisse aussi. Mais jour de jugement, c'est pas comme ça. Ça, ce qu'on appelle Hakkun Nas dans le Mirsad. Ça aussi, on a parlé beaucoup semaine passée. Mais Inch'Allah, je vais essayer de parler petit à petit aussi. À propos d'une chose, je vous le disais, ça c'est très important pour nous tous. C'est à propos de Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar. Vous voyez les noms même, Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar. Avant de rentrer à propos de ces noms-là, parce que ça c'est très important pour nous tous et nos faiblesses, ça. On est tous, nos faiblesses, c'est ça. Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar, aujourd'hui ça n'existait pas pour nous. Je vous expliquerai tout ça, Inch'Allah. C'est quoi le Amr bil Ma'ruf? C'est quoi Nahy anil Munkar? Regardez les noms même, c'est Amr. Amr, c'est-à-dire ordre. Amr bil Ma'ruf, vous ordonnez, vous dites aux gens de faire quelque chose de bien. Et Nahy anil Munkar, vous devez refuser aussi les gens de ne pas faire du mal. Ça, pas besoin de que, par exemple, quelquefois, vous dites, bon, on est ensemble, un musulman, il n'y a pas de souci, je peux parler avec lui. Mais lui, il n'est pas musulman. Est-ce que je ne dois pas parler avec lui? Musulman et non musulman. Ça, on doit parler parce que Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar. Possible, il y a des choses dans l'islam, c'est connu. On est tous, on doit respecter ça. Mais d'autres religions, ils ne savent pas que ça, c'est interdit. Vous dites petit à petit, mais attention, avec sagesse. Doucement, doucement. Allah Tabaraka le bon Dieu, je vous dis ça, ô vous les croyants. Exemple que je vous ai donné avant. Vous savez, Pharaon, 700 ans, il était roi. 700 ans. C'est pas évident, quand même beaucoup. Coran, qu'est-ce qu'il dit à propos de Pharaon? Wa Pharaona dhil autad. Bon Dieu a dit Wa Pharaona dhil autad. Pourquoi bon Dieu il dit comme ça? Beaucoup de causes. La première cause, c'est-à-dire, Pharaon, quand il tue les gens, il crucifie les gens. C'est-à-dire, vous voyez, à l'époque de Issa ibn Maryam, prophète Issa ibn Maryam, c'est pas Issa, ils n'ont pas fait comme ça avec prophète Issa. Attention, ça c'était pas vrai. Mais ils ont rattrapé quelqu'un. Après, c'est là qu'ils ont crucifié le monsieur-là. Mais le visage, c'est devenu comme visage de Issa ibn Maryam. Notre prophète, Issa ibn Maryam, ala nabiyyina wa ali wa alayhi salam. Pharaon, son travail, c'est comme ça. Il crucifie les gens. Tout le temps, c'est comme ça. Il y a d'autres façons aussi. Bon Dieu, il a dit comme ça. Wa Pharaon a dit la outad. Ça, c'est parmi les causes. Hein. Beaucoup de tafsirs, beaucoup de traductions à propos de ça. Je ne vais pas rentrer dedans. Parce qu'on n'est pas moment de parler à propos des tafsirs. Mais juste pour expliquer vite fait. Pharaon a 700 ans. Il a fait le crime. Toutes les qualités de crime, il a fait, Pharaon. Bon Dieu, quand il a envoyé Moussa et Haroun, Moussa, c'est prophète, et Haroun aussi, prophète, ala nabiyyina wa alihi wa alayhim assalam, deux prophètes d'Allah, tabarakoutan, le messager de Dieu, les deux là. Idhaba ila Fir'aoun, innahu tara. Quelquefois, bon Dieu, il parle avec Moussa seul, prophète Moussa seul, quelquefois, il parle avec Moussa et Haroun ensemble. Idhaba ila Fir'aoun, innahu tara. Vous partez chez Pharaon, vous parlez avec lui, parce que Pharaon, il a dépassé limite. J'ai déjà expliqué ça aussi. Vous voyez le Torah, le mot Torah, Ennahu Torah, ça, on ne peut pas utiliser ça avec quelqu'un. Le mot Torah spécial pour de l'eau. Quand vous parlez à propos de l'eau, par exemple, vous dites Toralma. Toralma, c'est-à-dire de l'eau, c'est dépasser limite. C'est renverser de l'eau. C'est comme ça on dit Toralma. Mais ici, bon Dieu, il a utilisé les mots Torah avec Pharaon. Pourquoi? Parce que tellement Pharaon, il a fait n'importe quoi, il a dépassé limite. Idhaba ila Pharaon, innahu Torah. Regardez, ordre de Dieu pour qui?
pour prophète Moussa ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Avec qui? Avec prophète Haroun ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Les deux prophètes, ordre des dieux pour deux prophètes-là, pour aller où? Pour aller chez Pharaon, pour parler avec Pharaon. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit après? Bon Dieu, il n'a pas dit comme ça, il faut batailler avec lui, insulter lui. Non, non, non. Faites la guerre avec lui. Non, non. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Bon Dieu a dit, Fakula lahu qawlan layyina. Attention, vous parlez avec lui, mais parole normale. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas batailler avec lui. Doucement, doucement, vous parlez avec lui. Regarde Allah, tabaraka wa ta'ala. Amr bil ma'ruf, nahi anil munkar. Ici, c'est ordre. Vous dites aux gens, faites-vous quelque chose de bien. Et aussi, vous refusez les gens de ne pas faire du mal. Ça, c'est ordre. Après, c'est le refus aussi. Vous refusez, oui. Mais attention, si vous donnez ordre, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. On doit parler comment le système. Si on refuse aussi, on doit connaître le système, c'est comment. Tout ça, Inch'Allah, je dois parler avec vous. Si ce n'est pas fini aujourd'hui, Inch'Allah, la prochaine. On est déjà 40 minutes déjà passées. On essaie, Inch'Allah, une heure de temps, on parle. Après, tout ce qui est reste, Inch'Allah, la prochaine. Bon, d'abord, je commence par quelques ayats dans notre Saint-Coran, le Karim. Est-ce que Amr ibn Ma'ruf et Nahi anil Munkar, il y a des ayats dans notre Saint-Coran, le Karim, qui parlent à propos de ça ou pas? Beaucoup d'ayats. Tellement beaucoup de versets dans notre Saint-Coran qui parlent à propos de Amr ibn Ma'ruf et Nahi anil Munkar. Avant tout, Amr ibn Ma'ruf et Nahi anil Munkar parmi les branches de notre religion. C'est-à-dire un musulman croyant, s'il ne fait pas Amr ibn Ma'ruf et Nahi anil Munkar, c'est-à-dire son travail c'est pour lui-même, mais pour les autres il ne fait rien. Ça, ce n'est pas musulman ça. Ça, ce n'est pas croyant ça. Il voit les gens, ils font n'importe quoi. Il ne va pas refuser les gens. Il regarde comme ça. Ça ne me regarde pas, par exemple. Ça, ce n'est pas musulman qui fait ça. Ce n'est pas les croyants qui font ça. Ça, c'est parmi le charme des musulmans, Amr ibn Ma'ruf, Al-Nahi anil Munkar. Vous savez, on a parlé beaucoup à propos de ça. Tous les musulmans aujourd'hui, on est tous d'accord que Amr ibn Ma'ruf et Nahi anil Munkar, si vous êtes musulman, vous connaissez c'est quoi le Amr ibn Ma'ruf et Nahi anil Munkar, si vous n'êtes pas musulman. Amr ibn Ma'ruf, c'est-à-dire, il faut ordonner les gens pour faire quelque chose de bien. Et Nahi anil Munkar aussi, on doit refuser les gens de ne pas faire du mal. C'est ça le Amr ibn Ma'ruf et Nahi anil Munkar. Nahi anil Munkar et Amr ibn Ma'ruf, les deux choses-là, c'est le charme de l'islam. Un musulman, il doit savoir, il doit connaître que Amr ibn Ma'ruf et Nahi anil Munkar, c'est obligatoire pour lui. Et écoutez bien, wajib aini, parce que obligatoire, c'est beaucoup de qualités d'obligatoire. Wajib aini, wajib ikhtiyari, wajib kifai, tout ça c'est parmi. Alors beaucoup de wajib. Mais le wajib aini, vous connaissez c'est quoi? Wajib aini, c'est-à-dire obligatoire pour chacun parmi nous. C'est-à-dire obligatoire pour toi, pour moi, pour lui, pour nous tous. Nous, on ne peut pas dire comme ça, bon, c'est obligatoire dans l'islam. Mais s'il y a un groupe qui font ça, nous, on ne fait pas. Non, ce n'est pas comme ça. Wajib aini, ça c'est comme prière. On prie tous les jours là, ça c'est wajib aini. C'est-à-dire, vous devez prier, moi aussi, je dois prier pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour notre Seigneur. Moi, je ne peux pas, j'ai déjà mentionné ça devant vous. Moi, je ne peux pas faire votre prière aujourd'hui, vous faites ma prière aussi demain. Non. C'est-à-dire, la prière tous les jours, vous devez faire, moi, je dois faire aussi. Amr ibn Ma'ruf et Nahi anil Munkar aussi, c'est comme ça. Ça, c'est obligatoire
pour nous tous. Si je vois quelque chose, c'est pas normal, je dois parler. Si il y a quelque chose bien, je dois avouer pour tout le monde. Ça, c'est bien. Suivez-vous, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils connaissent pas Ahlul Bayt, c'est qui? Leur nom peut être deux, trois personnes, deux, trois imams, ils connaissent, mais les autres, non. Vous devez parler avec eux. Aujourd'hui, pourquoi Ahlul Bayt? Vous savez, imam Askari, alayhi salatu wassalam, notre 11e imam a dit, Rahimallahu imra'an. Écoutez bien le hadith. Imam a dit, Rahimallahu imra'an, akhadha bi aidi aitamina. Imam a dit, miséricorde de Dieu sur quelqu'un qui a pris le main de nos orphelins. Moi, je vais vous dire, orphelin ici, c'est qui? C'est pas celui qui a perdu papa, par exemple, ou le parent. C'est pas ça, orphelin. Imam, qu'est-ce qu'il dit? Imam Hassan Askari, 11e imam, alayhi salatu wassalam. Imam a dit, rahimallahu, imra'an. Akhadha bi aidi aitamina. Imam, il n'a pas dit rahimallahu musliman, rahimallahu mu'minan, rahimallahu shi'atan. Non, non. Imam, il n'a pas dit ça. Il a dit imra'an, quelqu'un, personne. Rahimallahu imra'an, akhadha bi aidi aitamina. Miséricorde de Dieu, miséricorde d'Allah tabaraka sur quelqu'un qui a pris le mets de qui? Les mets de orphelin de Ahlul Bayt, alayhi mafdhalus salatu wassalam. C'est qui orphelin de Ahlul Bayt? C'est lui qui connaît pas Ahlul Bayt. En face de vous, devant vous, quelqu'un, il n'a pas entendu Ahlul Bayt, c'est qui? Il connaît pas. Vous prenez sa main, c'est-à-dire vous parlez avec lui à propos de Ahlul Bayt. Imam Hassan Askari, 11e imam, le papa du 12e imam a dit, Rahimallah. Bon Dieu, miséricorde de Dieu sur lui. C'est pas seulement vous prenez sa main. Wa'awsalahum ilayna. Imam a dit après, qu'est-ce qu'il fait lui? Il ramène nos orphelins chez nous. C'est-à-dire, on doit parler avec tout le monde. C'est les gens qui connaissent pas Ahlul Bayt, c'est qui? Pour connaître Ahlul Bayt. Vous savez, tout ça, c'est devoir pour nous tous. Aujourd'hui, Ahlul Bayt, ils sont devenus quoi? Devenus gharib. Gharib, c'est-à-dire seuls. Les gens, ils connaissent pas même Ahlul Bayt, c'est qui? Moi et vous et nous, on connaît. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, milliards de personnes, ils connaissent pas Ahlul Bayt, c'est qui? Ça, c'est devoir. Ça, c'est question, tout ça, jour de jugement. Parmi les questions, jour de jugement, an wilayati Ahlul Bayt, alayhi mafdhalus salatu wassalam. Et ça, c'est le ni'ma. Et le parmi le ni'ma, bienfait de Dieu sur nous, ça. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran, al-Karim? Il a dit, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, bon Dieu, il va vous demander jour de jugement à propos de ni'ma. C'est quoi le ni'ma? C'est pas le manger seulement. C'est pas le boire seulement. Ni'ma, plus que ça, c'est quoi? Wilayatu Ali ibn Abi Talib wa ahli baytih. C'est-à-dire, est-ce que vous avez suivi Amirul Mu'minin? Vous avez écouté les paroles de Amirul Mu'minin ou pas? Tout ça, c'est obligatoire pour nous tous, pour vous les croyants. Ça, c'est ni'ma, grand ni'ma, jour de jugement. Bienfait d'Allah Ta'ala, jour de jugement. Ça, c'est les faveurs de Dieu, il nous a donné ça. Wilayatu Amirul Mu'minin wa ahli baytih. Et le descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amr bil ma'ruf et nahy anil munkar, ça c'est parmi les furu'id-din chez nous. Et wajib ayni. Pour vous c'est obligatoire, pour moi c'est obligatoire. C'est pas seulement pour vous c'est obligatoire, pour moi non. Il y a d'autres groupes, par exemple, ils font ça, moi je fais pas. C'est pas ça. Si vous voyez quelqu'un, il est en train de perdre, par exemple. Il est perdu. Il connaît pas Dieu, c'est qui. Il connaît pas Rasulullah, c'est qui. Prophète, c'est qui. Il connaît pas Ahlul Bayt, c'est qui. Vous devez parler avec lui. Vous prenez sa main. Vous amenez envers Dieu. Vous amenez envers prophète. Vous amenez envers qui? Ahlul Bayt, alayhi mafdhalus salatu wassalam. Ça, c'est hadith de Imam Hassan Askari, alayhi salatu wassalam.
parmi les Furu'iddin, ô vous les croyants, le branche de musulmans. Vous voyez un arbre, il y a source, racine, il y a deux branches. Charme des arbres. Même les arbres que vous voyez sur la route, s'il n'y a pas de branches, il y a de charme ou pas? Même racine, il est là. Mais le branche, ça donne quoi? Ça donne charme pour les arbres. Nous aussi, c'est comme ça, musulmans. Source, il est là. Source, c'est toujours là. Mais le branche, c'est quoi? Parmi le branche de l'islam, c'est quoi? C'est le Amr bil Ma'ruf et Nahi anil Munkar. 10 branches pour nous tous. Salat, la prière dedans, jeûne dedans, khums dedans, zakat dedans, hein? Et aussi, vous tous vous connaissez, effort dedans, al-jihad dedans, amri bil ma'ruf, an-nahy anil munkar, tawalli et tabarri. Ça, c'est 10 branches de l'islam. On est tous, on doit suivre tout ça, c'est obligatoire pour nous tous. Ayat du Coran, est-ce que vous savez pourquoi Allah, Seigneur, il a choisi l'islam? Si quelqu'un vous demande, par exemple, il vous demande pourquoi vous dites vous êtes musulman, que vous êtes les meilleurs. Bon Dieu, il a choisi votre religion comme religion vraie. Allah, tabaraka, il dit dans le Coran, le Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahi l'islam. Regardez, ça c'est, est-ce qu'il y a terme, il y a verset dans notre Saint-Coran clair plus que ça? Bon Dieu a dit, c'est certes, inna dina indallah, c'est certes, c'est la religion devant Dieu. C'est quelle religion? À l'islam. Après, bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Bon Dieu a dit, inna dina indallahi l'islam. Après, bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Allah a dit, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Celui qui veut d'autres religions, il laisse l'islam. Avant l'islam, on a accepté d'autres religions avant l'islam. Mais si c'est l'islam, il est là. Islam, c'est arrivé. On doit suivre l'islam. C'est pour cela votre devoir. Et mon devoir aussi. D'avouer au tout le monde, de parler avec tout le monde, le vrai l'islam, c'est comment? Le vrai l'islam, c'est comment? C'est pas l'islam aujourd'hui, beaucoup de gens, ils disent on est musulmans, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Après leur nom, c'est les musulmans. Non, non, l'islam vrai, on doit montrer aux gens pour que les gens sachent, l'islam c'est la paix, l'islam c'est sécurité, l'islam c'est savoir vivre. Qu'est-ce qu'il demande l'islam? Vous savez, tout ça c'est devoir pour vous, pour nous tous. On doit parler avec les gens, oh vous les croyants. Et ça c'est parmi le Amr bil Ma'ruf et Nahi anil Munkar même. Pourquoi Allah tabaraka il a choisi l'islam? Bon Dieu, il a parlé même direct dans notre Saint-Coran, le Karim. Inna dina indallahi l'islam. Certes, c'est sûr que la religion devant Dieu, les religions vraies devant Dieu, religion on doit tous, on doit accepter ces religions-là, c'est quelle religion? Musulman, l'islam. Wa man yabtaghi ghayra l'islam dinan, le Coran a dit, c'est lui qui a pris d'autres religions, il a laissé l'islam. Il a accepté d'autres religions, mais il n'acceptait pas l'islam. Maintenant, on doit accepter l'islam. Pourquoi? Parce que bon Dieu, il a envoyé le dernier prophète et c'est lui qui commande. C'est la religion qu'il a amenée, c'est la religion vraie maintenant. Ça n'a pas de raciste, oh vous les croyants, c'est la vérité. La vérité comme ça, pourquoi on ne parle pas avec les gens? Parce qu'on cache, on cache, on cache jusqu'à quand? Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent connaître la vérité. C'est quoi le vrai musulman? C'est comment? D'où vient cette religion-là? Parce que nous, vous savez, nous, aujourd'hui, on est musulmans. Quelquefois, je vous dis, c'est la vérité. Il y a des gens aujourd'hui, si vous demandez pourquoi vous êtes musulmans aujourd'hui, parce que maman et papa, musulman, moi je suis devenu musulman. Ça, c'est pas la réponse. On peut pas dire comme ça. Vous devez répondre que moi je suis musulman parce que ça c'est religion vraie
Et bon Dieu, il a mentionné ça dans notre Saint-Coran. Il a envoyé le dernier prophète aussi. C'est le prophète-là, c'est lui qui a amené, c'est lui qui a ramené l'islam. C'est pour cela, je suis devenu musulman parce que je crois, c'est ça, la vérité. Et vous, vous devez lire, vous devez réciter aussi, vous devez regarder le Coran, qu'est-ce qu'il dit. C'est pas parce que maman, il est musulman, papa, musulman, moi, je suis devenu musulman aussi. Ça, c'est faux, ça. C'est comme ça le pharaon avant. Pharaon avant ou Namrud, le roi avant, le criminel avant, c'est comme ça, ils ont dit. Même avant l'islam, les Arabes aussi, avant l'islam, à l'époque de l'ignorance, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit parce que notre papa, ils ont adoré aussi les idoles, statues, nous on doit adorer aussi les statues. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous connaissez pas que votre papa, possible, ils étaient ignorants avant, ils savaient pas avant, mais vous, vous faites comme ça aussi? Nous tous, c'est pas comme ça, ça c'est pas preuve pour nos jours de jugement. Vous ne pouvez pas dire comme ça, oh bon Dieu, parce que mon papa, ma maman, ils étaient musulmans, moi je suis musulman aussi. Ça, ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas bonne réponse. Vous devez répondre le jour du jugement, oui bon Dieu, parce que j'ai vu dans le Coran, le Karim, c'est mentionné, la religion vraie et votre prophète, oh bon Dieu, tu as envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a appris ça, c'est lui qui nous a expliqué ça. On a accepté Rasulullah, c'est pour cela qu'on est devenu musulman. Ça, c'est minimum réponse. Mais vous dites, papa, maman, bon Dieu, il n'acceptait pas ça. Allah, tabarak wa ta'ala, il n'acceptait pas ça. Pourquoi Allah, notre Seigneur aujourd'hui, ô vous les croyants, pourquoi il a choisi l'islam? Est-ce que l'islam, c'est la dernière religion? Oui, ça, c'est vrai. Est-ce que Rasulullah, parce que c'est le meilleur prophète, et le dernier prophète, c'est pour cela, bon Dieu a dit, vous devez accepter ça. Oui, ça aussi, c'est vrai. Est-ce que Allah tabarak wa ta'ala, parce qu'il a nommé les 12 imams aussi, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, successeur du prophète, est-ce que cela, on a accepté aussi. Mais il y a des choses aussi, c'est très important aussi. Avec tout ça, c'est quoi? Regardez Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Pourquoi il a choisi l'islam? Vous êtes musulman vrai aujourd'hui, croyant vrai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous faites ces choses-là, sinon, votre islam en jeu, votre croyance aussi en jeu. Vous n'êtes pas musulman vrai et vous n'êtes pas aussi croyant vrai. C'est quoi le ayat? Cette ayat-là, vous tous, vous connaissez et vous devez apprendre par cœur même cette ayat-là. Dans les sourates Al-Imran, sourate 3, ayat 110. Ayat 110, il y a signe même hein, sur ces ayat-là. Ayat 110, sourate 3, sourate Al-Imran. Qu'est-ce qu'il dit, bon Dieu? Il a choisi l'islam, c'est le meilleur peuple. Pourquoi? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin. Bon Dieu a dit, vous tous, vous, kuntum, vous êtes khayra ummatin. Pourquoi Allah, tabarak wa ta'ala, il utilise le mot kuntum, khayra ummatin, passé. C'est-à-dire, c'est la vérité, ça. Ça, c'est quelque chose de vrai. C'est pas quelque chose, c'est pas mensonge. Bon Dieu, il ment pas. Bon Dieu, quand il, vous voyez, dans le Coran, le Karim, quelquefois, Allah, tabarak wa ta'ala, il est sage, bon Dieu, notre Seigneur. Quelquefois, quand il parle des choses encore futures, il utilise le mot passé. Pourquoi bon Dieu il fait comme ça? Tout ça il y a cause. Ici, Allah tabarak wa ta'ala, il utilise kuntum passé, c'est-à-dire la vérité, et c'est sûr comme ça même. La vérité, oui, après c'est sûr, c'est comme ça. Kuntum khayra ummatin. Allah a dit, vous tous, vous êtes meilleur peuple. Meilleur peuple. Ukhrijat linnas. C'est sorti sur tout le monde, sur les humains, sur les gens, c'est l'islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pourquoi bon Dieu il a choisi l'islam? Il a choisi les musulmans. Pourquoi? Parce que musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ta'muruna bil ma'ruf. Regardez, Coran al-Karim a dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Parce que vous parlez, vous ordonnez le gens de faire du bien. Après, vous refusez le gens aussi de ne pas faire mal. Ça, c'est meilleur personne devant Dieu, ça. Mais celui qui est sans foutiste, il pense pour lui seulement, pour les autres, non.
Ça, c'est pas normal du tout, oh, vous les croyants. Ça, c'est pas normal du tout. Je m'arrête là, la suite, Inch'Allah, semaine prochaine, parce que déjà 1 heure de temps. Je ne vais pas traîner trop, parce que vous aussi, vous êtes fatigués. Travail aujourd'hui. On demande à Allah, Tabarakotan, il nous donne la vie toujours de connaître la vérité. Vous savez, ça fait mal au cœur quelquefois. Bon, si on est musulman, après, on a des doutes. Est-ce que notre islam, c'est vrai ou pas? Ça fait mal au cœur quelquefois. Celui qui doute, il est en doute à propos de sa religion, ça, c'est pas normal du tout. Vous devez rester avec votre yaqeen. Hein? Il faut croire 100% que l'islam, c'est la vérité. Mais doute comme ça, c'est pas normal du tout. Pourquoi on doute? Pourquoi on a des doutes? Parce qu'on n'a pas appris la vérité, c'est quoi? Si vous avez appris la vérité, c'est comment? Vous doutez pas à propos de l'islam. C'est lui qui a suivi Ahlul Bayt. Il connaît bien Ahlul Bayt, c'est qui? Il ne doute pas dans l'islam. Mais si on est derrière quelqu'un d'autre, na'ouzou billah, na'ouzou billah, bon, on est en doute, est-ce que c'est la vérité, il dit ou pas? Mais Ahlul Bayt, jamais de la vie. Que si vous êtes avec Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, avec Imam Hassan al-Mujtaba, avec Imam Hussein, leur maman Fatimatu Zahra, salamullahi alayha, et aussi avec tous les 12 imams, si vous êtes avec eux, pourquoi vous doutez? Sans doute. On ne doute pas. Pourquoi? Parce que c'est la vérité avec ces gens-là. On fait doua, Inch'Allah, pour tout le monde. On va rester sur le Surat al-Mustaqim. Surat al-Mustaqim, c'est qui? C'est Allah tabarak wa ta'ala. C'est Coran al-Karim. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Ahlul Bayt alayhim afdhalus salatu wa salam. Imam Ali, qu'est-ce qu'il dit? Imam a dit, Ana siratul mustaqim. C'est moi. Imam a dit, c'est moi le chemin droit. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wa salam, sixième imam aussi a dit, Nahnu siratul mustaqim. Le chemin droit, c'est nous. Nous, chemin droit. Vous savez, on ne peut pas laisser ces gens-là. Inch'Allah, on doit parler beaucoup, beaucoup à propos de Ahlul Bayt alayhim afdhalus salat wa salam pour tout le monde. Parce que ça, c'est parmi le Amri bil Ma'ruf et Nahi anil Munkar. Inch'Allah, on doit parler semaine prochaine, la suite de notre dars aujourd'hui. On va réciter Ayat Amman Yujib. On demande à notre Seigneur, Inch'Allah, il résout tous les problèmes de tout le monde. Problèmes de tout le monde. C'est-à-dire, on doit demander problème de tout le monde. Vous savez, si vous demandez pour vous seulement, vous êtes arrogant. Et l'arrogance dans l'islam, c'est pas normal du tout. L'islam, il a interdit ça. Il a dit non, non, on peut pas être arrogant dans l'islam. At-takabbur, ça c'est pas normal du tout. La yadkhulul jannah. Hadith, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dharratun min kibr. Il rentre pas au paradis. C'est lui qui en a même petit comme ça, peu comme ça. Quoi? Arrogance dans son cœur. Il est arrogant. Ça c'est pas normal du tout. Vous savez, Iblis, le chef de Satan, le chef des diables, pourquoi il était renvoyé du paradis? Aba wastakbara. Il a refusé, mais il était arrogant aussi. Wastakbara, c'est ça que bon Dieu il a pas aimé. Renvoyé direct du paradis. Nous, on a entendu l'histoire de Iblis. On ne peut pas suivre Iblis. On doit suivre le prophète. On doit suivre aussi Ahlul Bayt alayhim afdhalus. On demande à bon Dieu toujours, Inch'Allah, en récitant cette ayat-là, Amman yujibu al-muhtar idha da'ahu wa yakshifu su, que bon Dieu, il résout tous les problèmes, Inch'Allah. 5 fois, on va réciter ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibu al-muhtar idha da'ahu wa yakshifu su. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم اكشف ما بنا من سوء يا الله. On va réciter aussi ensemble la sourate al-Fatiha pour nos défunts, inshallah, les gens qui sont déjà décédés avant nous. Si ses parents, papa, maman,
voisins, les amis, par exemple, quelqu'un qui connaît, vous connaissez ou vous connaissez pas, mais on doit réciter sourate al-Fatiha parce que c'est diminuer leur châtiment avec ces sourates que vous récitez. Rahimallahu man qara al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله la suite pour semaine prochaine. Tous les samedis soirs, n'oubliez pas, on parle toujours à propos de jour de jugement, la suite de Amr ibn Ma'ruf et Nahy anil Munkar, parce que ça c'est parmi les questions aussi, sur le pont, sur Atul Mustaqim, on doit parler beaucoup plus à propos de ça, que c'est là que vous devez connaître, c'est Amr ibn Ma'ruf, c'est quoi? Nahy anil Munkar, c'est quoi Inch'Allah? Ça c'est Dars tous les samedis soirs, si bon Dieu il nous donne la vie toujours, je dois être avec vous, vous devez aussi écouter, vous restez avec nous tout le temps, Inch'Allah. Que Allah tabarak wa ta'ala vous garde bien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.